Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce cinquième chapitre, la chute de Silver Moon. On commence tout de suite. Un peu plus tard, à proximité de la capitale des elfes, Silver Moon. Vous vous en êtes bien sorti, mais l'épreuve véritable n'a pas encore eu lieu. J'avais presque oublié votre existence. Je suis là pour m'assurer que vous faites votre travail, petit homme. Pas pour le faire à votre place. J'atteindrai seul le puits solaire, seigneur de l'épouvante. Attention. C'est un bassin d'énergie mystique d'où les elfes tirent leur pouvoir immortel. Ils ne l'abandonneront pas sans vous ferir. Selon vous, ils vous suspectent de m'avoir aidé, nécromancien ? Je suis sûr qu'ils s'en doutent un peu. C'est dans sa nature de prévoir le pire. Maintenant, courage. L'heure de ma renaissance est proche. Alors c'est parti, une nouvelle quête. Atteindre le puits solaire et éliminer les gardiens, évidemment. Un peu de calme. On a un petit camp, c'est très bien. On va tout de suite améliorer la nécropole, voilà. Et... il faut plus de bois. Bon ben voilà. Quoi à présent ? Vous nous avez oubliés, Rakai ? Bashanofalortala. Elle est tenace. Elle vous ressemble, chevalier de la mort. Silence, maudit fantôme. Alors, Sylvanas qui nous attaque. Ben voilà, on a gagné un niveau. On va prendre ça, ça a l'air pas mal. On va les laisser là, du coup. On est affamé. Alors, Seigneur Arthas, la femme elfe va sans doute appeler des renforts. Faites attention à ces messagers. Aucun d'entre eux ne doit passer. Ok, donc on doit détruire la base de Sylvanas. On va continuer à faire les améliorations qui nous seront bien utiles. Recherche terminée. Et il faut éliminer tous les messagers envoyés par Sylvanas. Eh ben, y a pas de problème. Pour vous servir. Alors lui, on va lui faire construire des ziggourats ici. Mon destin est scellé. Seigneur Arthas, Sylvanas a envoyé un messager à Silvermoon. Les elfes vont sûrement nous envoyer davantage de force. Les gargouilles que nous avons rapportées de Northrend pourraient nous être utiles ici. Elles peuvent repérer les messagers sur la voie principale. Ok, bah c'est parfait, on a de nouvelles unités, les gargouilles. Bon, bah voilà, elles se sont occupées du messager. Vos ordres, maître. On peut reprendre notre activité, qui est de construire des ziggourats. Volonté sera faite. Voilà. Recherche terminée. Alors, on a notre nécropole qui est devenue une catacombe. Et on a des nouvelles recherches disponibles. C'est parti. L'invocation est accomplie. Où doit couler mon sang ? L'invocation est accomplie. Des infidèles attaquent notre ville. Alors. C'est pas un problème. On va les tuer. Voilà. Vos ordres, maître. Ah oui, construit des ziggourats. Oui, maître. On a besoin de ziggourats. Alors on a le temps qui défile pour le prochain messager. La mission est accomplie. Votre volonté voilà. Sera faite. Bon, déjà on a des ziggourats en plus. On va le renvoyer à la mine. Oui. Voilà. Recherche terminée.
puis on va pouvoir se faire une petite armée. Voilà, j'améliore les ziggourats, comme ça elles vont défendre l'entrée nord. L'invocation est accomplie. Eux, ils sont remis sur la mine, c'est bon. L'invocation est accomplie. Amélioration terminée. Allez, encore un peu de bois. Amélioration terminée. Recherche terminée. Ok, bon, bah là-haut, au moins on sera protégé. En amélioration, il nous reste quelques petites choses à faire. Amélioration terminée. Mais on peut créer des gargouilles et ça va être bien pratique. Du coup, on va créer quelques ghouls avant. Amélioration terminée. Voilà, pour les envoyer chercher plus de bois. Et puis on construira plein de gargouilles après. Ce sera pas mal. Alors, il y a le prochain messager qui va partir dans une minute. Allez, va prendre du bois, toi. Parle, idiot. Alors, on va envoyer Arthas ici. Avec eux. Sur la route, on va peut-être croiser des monstres qui nous permettront de gagner quelques points d'expérience. Quoi à présent? Ah bon, on va la tuer elle. Ah bah non, elle s'est cachée. Bon bah tant pis. Recherche terminée. J'ai vu un feu de camp là, c'est pour ça que je l'envoie là-bas, Arthas. Allez, des gargouilles. Ce sera déjà ça de prix. Parle, idiot. Allez, tous Prosper avec Arthas. Enfin. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il faut l'arrêter. Tu vas souffrir. Alors, un autre messager est parti. C'est pas grave, on va l'arrêter. Je préfère ça. Ma colère te consumera. Ok. Enfin. Alors, Arthas est là. On va envoyer les gargouilles sur le messager. Allez, mesdames les gargouilles. Vite, vite, vite. Ok. On va les mettre là, ça c'est entre les deux. Ici ça donne quoi? Voilà. Et en amélioration, il nous manque un peu d'or. Ça va arriver. Voilà. On n'a plus qu'à attendre gentiment. On va envoyer les gargouilles avec celle-là. Bon, on commence à avoir une petite base sympathique. Alors, on a assez de ressources pour lancer des améliorations. Non, on n'a pas assez d'or. Allez, encore un peu d'or et au moins toutes les unités seront au maximum des améliorations. Voilà. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à se créer une armée digne de ce nom. Je
pense qu'on va rester sur les gargouilles, hein, parce que c'est quand même très pratique le fait de pouvoir voler. Je ferai selon vos recherches terminées. Alors, on va construire quand même un abattoir. On va le mettre là. Mon destin est scellé. Nos forces sont attaquées. Alors, Sylvanas est revenu. Quoi après ? Alertas, va sauver ton campement. Nul ne peut me donner d'ordre. Je préfère cela. Alertas, vas-y. Gloire au fléau. Pour vous servir. Alors lui, il a fini. On va construire... ouais, un temple, hein, c'est pas mal. Votre volonté sera faite par... Allez, Arthas. Très bien. Ah, enfin. Où doit couler mon sang ? Alors, une deuxième crypte. On va mettre... Recherche, je ne peux pas invoquer. Alors, voilà, plaisir. On va la mettre là. Et puis, on va lui faire réparer cette ziggourate aussi. Votre volonté sera faite. L'invocation est accomplie. Alors, l'abattoir a terminé. Il faut plus d'or. On va construire un engin de siège, un chariot à viande. Et cette ziggourate vos va ordres, beaucoup mieux. Maître. Tu peux retourner à la mine. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il faut l'arrêter. Alors, c'est pas grave. On va l'attendre, le messager. On va poster les gargouilles ici. Et les deux là, pareil. L'invocation est accomplie. Ok. Recherche terminée. Alors, le messager s'est réglé. La crypte a terminé. Il n'y a plus de recherche. Et on a notre engin. Et ben c'est parti. Créons nos gargouilles. Bon bah ben voilà. Ça a été vite, vite réglé. Hein. On va en faire que deux. Alors. L'engin de siège, on va l'amener ici. On va accumuler les troupes par là-bas pour attaquer la base de Sylvanas. Allez, notre armée grossit. On est en train de tout déboiser. On va explorer un petit peu avec Arthas. Voir ce qui se passe sur la carte. Pendant qu'on accumule des ressources. Je préfère cela. Frostmourne est affamé. Je préfère cela. Ici des elfes. Enfin, Frostmourne est affamé. Je préfère cela. Ah, enfin. Par ici un Frostmourne pont. Est affamé. Enfin. Je préfère cela. Ah, enfin. Alors une fontaine de santé. Enfin. Les murs de Silvermoon. Ah. Enfin. Frostmourne. Ah, il y a un camp de gnolls ici, on va y aller.
Tu vas souffrir. Allez, c'est parti. Ma colère te consumera. Frostmourne. Allez, tuons tous ces gnolls. Je préfère cela. Pour le roi Lich. Je préfère cela. Ok. Frostmourne est affamé. Et par ici. Sylvanas a envoyé un autre messager. Il faut l'arrêter. Mais oui, on va l'arrêter, le messager. Y a pas de problème. Frostmourne est affamé. On va ramener Arthas au camp. Voilà. On va le mettre là. Allez, cette jolie petite équipe. Ah, il passe par là-haut. Allez. Un sacré paquet de gargouilles pour un seul homme. Allez, tuez-moi tout ça. Bon, ben voilà, le pauvre, il n'aura pas fait long feu. Hein. Alors, ben, on va en profiter, on va utiliser les gargouilles pour explorer le reste de la carte. Voir ce qui s'y trouve. Alors, ben, là-haut, on peut pas y aller. Et par ici, ben, on est de retour au camp, hein, finalement. Nos forces sont attaquées. Ah. Alors, il y a un engin de siège. Alors, on va ramener les troupes ici, parce que je pense que... Parle, idiot. Sylvanas va arriver de ce côté-là. Du coup, on va recréer des engins de siège. Voilà. Et puis, on va se faire nos gargouilles. Hein. Il faut plus d'or. Voilà, on n'a pas assez d'or. Alors, de quel côté elle va arriver ? Par en haut ou par en bas? Nul ne peut me donner d'ordre. Par ici, ok. Ah. Ta souffrance sera sans fin. Frostmourne, tu vas souffrir. Bon ben voilà, c'est bien pratique hein, ces gargouilles. Frostmourne. Y a pas à dire, ça, ça envoie du lourd. Allez, on va attendre que les dernières soient prêtes. On va envoyer l'engin de siège. Et ben ici même. Alors les gargouilles, on va les garder pour le messager. Quoi à présent ? Arthas, il va aller ici aussi. Et puis voilà. Alors Arthas, Sylvanas a envoyé un messager à Silvermoon. Alors il part de ce côté-là. Bon ben voilà, ça c'est fait. On va rassembler nos troupes. Voilà. Ok. On va continuer à ancrer en attendant. Voilà, et puis une fois que tout le monde sera là, on ira attaquer.
le dernier chariot à viande, donc c'est parfait. Parle, idiot. Allez, on va lancer Arthas Frostmourne. Par là. Avec eux. Nos forces sont attaquées. Et les chariots à viande. Là-dessus. Allez. Toi, à présent. Eh ben ça va être vite réglé, hein. Allez. Envoyez un autre messager. Il Alors, faut l'arrêter. Il est où le messager? Il est là. Allez, tuez-le. Parle, idiot. Tu vas souffrir. Voilà. Allez, tout le monde sur le camp. Les chariots à viande là-dessus. Les gargouilles. Allez tuer ces petits paysans. Voilà. Nul ne peut me donner d'ordre. Nos forces sont attaquées. Allez. Un peu de calme. Bon ben voilà, on aura rayé la base de Sylvanas. On est pas mal. Je rends hommage à votre courage, mais la poursuite est terminée. En ce cas, je reste ici, bouché. Anara la Bellor. Achevez-moi. Je mérite une mort digne. Après ce que vous m'avez fait subir, femme, je ne suis pas disposé à vous laisser reposer en paix. Non, vous ne ferez pas ça. Et voilà, toi, à présent. On a récupéré Sylvanas de notre côté, hein. Pourquoi ne faire revenir ? Voilà, elle est devenue un fantôme, Banshee. Nul ne peut me donner d'ordre. Allez, on va accumuler. Alors déjà, on va finir par détruire tout ce qui reste là, et puis on va se faire une nouvelle petite base là-haut au cas où. Pour se préparer à l'attaque de Silvermoon, hein. On va aller raser pour atteindre le puits du soleil. Allez, rejoignez l'équipe là-haut. Là. Les damnés sont à vos ordres. Super. Allez, mec. Une nécropole là-haut, à côté de la mine, s'il te plaît. Avec plaisir. Voilà. Et puis, on va envoyer Arthas en reconnaissance pour voir où c'est qu'on va se masser, hein, finalement, pour rentrer dans la bataille, détruire cette ville. Ah, enfin. Frostmourne. Alors ici, il y a du monde, hein. On va essayer de les tuer. Hop. Tu vas souffrir. Allez, je pense pas que tout seul il y arrive, mais bon, on sait jamais.
Oula, allez, on s'enfuit. Enfin. Fuyons, fuyons. Il est en train de s'en prendre une, le pauvre Arthas. Toi, tu vas créer une mine. Voilà. Oui, maître. Hop. Bon, on va y retourner avec une petite escouade, hein. Parle, idiot. Quoi, à présent ? Allez, on y retourne. Avec une petite équipe, ça va aller mieux. Ah, enfin. Je préfère cela. Ah bah ils sont endormis, carrément. Pour le roi Lich, tu connaîtras les tourments éternels. Ah, ça va beaucoup mieux avec... Ta souffrance sera sans fin. Avec les gargouilles, hein. Tu connaîtras les tourments éternels. Bon, et bah voilà, ça c'est fait. Ah, enfin. Continuons d'avancer. Ah, enfin. Alors, l'entrée est là. Donc on va... On va se mettre ici, voilà. Vos ordres, maître. Et puis, on va ramener le reste de l'équipe. Voilà. Alors, on va créer d'autres chariots pour les bâtiments. Et puis... Allez, les gargouilles. Il faut plus d'or. Ah là là, encore de l'or. L'invocation est accomplie. Eh bien. Il faut plus d'or. Allez. Je sais, il faut plus d'or. Voilà. Ok. Les damnés sont à vous en... Ici on est pas mal. Voilà. Et voilà. Allez, on va rentrer dans le village. Avec Arthas. Parle, idiot. Hop là, moi je veux Arthas en premier. Quoi à présent ? Voilà. Ah. Enfin. Allez, puis c'est parti. Tu vas souffrir. Tu connaîtras les tourments éternels. Nos forces sont attaquées. Allez. Un peu de calme. Je préfère. Le roi Lich. Tu connaîtras. Bon, on a percé une partie de leur défense. On a pu rentrer. Allez, vous aussi, hein. Faut y aller. Toi à présent. Nos forces sont attaquées. Alors Arthas, il est tout seul. Des infidèles attaquent notre ville. Ah, du coup, on se fait attaquer. On a bien fait de faire une autre base. Allez. Allez-y. Des infidèles attaquent notre ville. Allez, tous au puits. Pourquoi des infidèles attaquent notre ville? Nul ne peut me donner d'ordre. Allez, allez, allez. Des infidèles attaquent notre ville. Nul ne peut me donner d'ordre. Tu vas souffrir. Allez, tout le monde sur les golems. Des infidèles attaquent notre ville. Quoi à présent?
Bon, et ben voilà. On a atteint le puits solaire. Des infidèles attaquent notre ville. Citoyens de Silvermoon, je vous ai laissé maintes occasions de vous rendre, mais vous avez refusé avec obstination. Aujourd'hui, c'est toute votre race et tout votre héritage qui vont disparaître. La mort elle-même vient revendiquer la haute demeure des elfes. Levez-vous maintenant, Kel'Thuzad, et servez de nouveau le roi Lich. Je vis de nouveau, comme promis. Le roi Lich m'a concédé la vie éternelle. J'ai rempli ma part du marché, Lich. Êtes-vous prêt à me parler des seigneurs de l'épouvante maintenant? Bien sûr, mais pas ici. Les murs ont des oreilles. Nous parlerons lorsque nous serons en lieu sûr. Et voilà, on a réussi à ramener Kel'Thuzad à la vie. Qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre suivant? On le saura au prochain épisode. A bientôt.